Ça faisait plus d'un an qu'on avait ce projet en tête de partir entre potes à l'autre bout du monde. On a donc pris nos billets mi-octobre et là c'était parti. Après quelques remises en question sur le voyage dû à une blessure que je m'étais faite un mois avant de partir, le 6 décembre, on y est, je pars rejoindre mon pote Titouan à l'autre bout du monde. J'ai décidé de vous filmer tout ça en format vlog avec nos sessions de surf, nos moments de kiff, nos conneries mais aussi toutes nos galères parce que ouais, il y en a eu pas mal et ça fait partie de l'aventure. Allez, c'est parti. Il est un peu plus de 22h, je viens de finir de faire mon board bag et mon sac. Il nous reste une petite heure là avant de partir. J'ai un long trajet qui m'attend, donc je vais vous emmener avec moi. Et puis une fois qu'on sera arrivé, bah, ça sera bon quoi, on va pouvoir kiffer. On a le board bag, on est à l'aéroport. Bon, du coup, j'ai 3 heures à tuer là, du coup, je me suis fait un petit dernier plaisir. Et puis, on va attendre le vol tranquillement. Hein. J'ai passé tous les portiques et tout. Du coup, c'est nickel, on attend le vol et puis let's go, hein. Il n'y a plus qu'à. Hein. La fatigue commence à se sentir là, je suis pas mal fatigué. Là, je suis parti à minuit hier. Là il est 13h et j'arrive demain à 16h avec le décalage horaire. Donc ouais, c'est un bon petit périple, mais bon, ça vaut la peine. On va rejoindre Titouan, ça va être vraiment grave. Il faut savoir vraiment hâte. J'ai vraiment une sale gueule, putain. Là, je suis en jogging, je suis en train de mourir. Ok, ok, comment ça va toi? Comment ça va? Welcome in Bali. Go là. On est pas bien là? Ah ben mec, t'as juste arrivé le gâté. Mec, incroyable. Je suis hyper fatigué, mais bon, on va faire un petit tour dans la piscine. Ben rapidement. Rapidement quoi. Et demain ça sert mon gars. Demain ça sert. Ça c'est le genre de nouvelles que j'aime. Tu vas pas avoir le temps de bien dormir. Donc ça on va le défaire vite quoi. Ouais. C'est ça que t'es en train de me dire. Tu vas vite foutre tes fins et puis ça va partir mon gars. Ok frérot. Les gars, il y a un mec qui s'est incrusté dans ma chambre. On va faire quoi? Là on va manger. Oui, on va manger. Le riz. Bon appétit. Nage du riz, les gars. Je bouffe ça depuis un mois mais je m'en lasse pas. Ok. Ok. On a mangé. Et là, c'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la petite visite. Petite danse. En dansant, bien sûr. Ok. Bon, du coup, pour la petite visite. Bah, déjà, on a une grande chambre. C'est déjà pas mal. Moi, je pense que c'est pas mal. Bon, lui, il faut laisser tomber. On l'a perdu. Là, on a une salle de bain pas pire. Et là, on a quoi? On a quoi? On a quoi? La clim. On a la clim. On a la clim, déjà. Et important. Actuellement. Et on a la piscine. Pas le programme. Franchement là, on peut pas être mieux. Et demain c'est quoi le programme? Bah écoute, dis-nous tout, c'est toi le maître des lieux. Alors demain je crois qu'on a un atelier badminton, tu m'avais dit le matin. Ok. Et après on enchaîne un petit cours de cuisine, un petit cours d'indonésien. Et je crois qu'on finit juste par un petit resto. Ok. Classique quoi. Stylé. Il est 21h16. Et dans ta tête il est quelle heure? Dans ma tête là il est actuellement 14h je pense. Là je suis en pleine forme. Il va pas dormir. Mais on va essayer de se coucher pas tard pour être en forme demain quoi. Ok. Allez mon frérot, faut se réveiller. Putain, il va me casser les couilles le matin.
We made it. Loulou à tout. Tester la petite board. Surfer sur le spot d'Uluwatu. Les conditions n'étaient pas incroyables, mais franchement, il y avait des vagues plutôt cool. Par contre, le point négatif, c'est vraiment le monde. J'ai eu aussi sur quelques rushs des petits problèmes avec la GoPro, avec de la buée sur la caméra. Donc, je m'excuse pour la qualité qui est un peu moins bien sur certains plans. Mais bon, après cette session, j'ai trouvé un petit moyen de régler ça. Après l'effort, il y a quoi, Titan ? Le réconfort. Le réconfort.
Allez, bah moche. Tu vois, il y a des singes partout. Hop. Allez, let's go hein. C'est encore un peu bas, mais bon, ça va monter. Putain, c'est magnifique. Le riff, je suis trop mal. On espère que cette fois la GoPro va pas faire de buée. J'ai essayé de faire des trucs pour plus qu'il y en ait, mais on verra. J'ai pas longtemps de surf. Je pense que je surfais 45 minutes. Après, je sors de l'eau, je rejoins Tito, on mange vite fait le petit déj. Et après, on va surfer sur un autre spot là, 8h. Moi, je voulais me faire une petite session avant, mais en fait, c'est pas du tout assez haut. Et bon, je me suis mis quand même dans l'eau, on va voir si on arrive à choper 2-3 vagues. La chaleur là? Non, dis-moi. La session qu'on a fait cet été sous la canicule où on s'était brûlé les pieds. On s'est cramé les pieds à la canicule. Ouais. Mais là, on se crame pas trop. Bah les non, pieds, on se crame pas les pieds. Par contre, ouais. On a bien, bien chaud. We'll be right back.
donc là on a fait une session vraiment cool mais assez compliquée. La vague était vraiment difficile à surfer. Elle suçait énormément au take-off et après il n'y avait pas tant de murs que ça. Ou alors il y avait des marches, donc c'était vraiment galère à surfer, mais plutôt cool. Et bien kiffante, je pense qu'elle est dans le top 5 des vagues les plus puissantes que j'ai jamais surfées. Elle était vraiment bizarre à surfer. Alors, cette première impression de Yang Yang, bah, c'était sympa, hein. En vrai, c'est tard. Hein. Fait des bonnes vagues ou quoi? Ouais, vite fait, j'en ai eu quelques-unes. Moi, ouais. C'était bizarre là. Moi, j'ai souffert du riff. Ah ouais. Ouais, bah, j'ai bien bouffé aussi là. J'en ai pris 2-3 bien sur la gueule. Cool. Ouais, c'était marrant, hein. Petite droite. Maintenant, direction piscine. Il fait trop chaud, mec. Il fait trop chaud. Ah putain. Voilà. Voilà. Ouais, dans 2 secondes, je vous montre. Regardez-le là. Voilà. Mais c'est fou, c'est... je vais avoir une réputation de mec qui dort, toi. Ben ouais, mais aussi, mec, c'est le cas. Il m'a dit, je lui dis, ouais, je vais filmer. Il me dit, oh merde, faut que je sorte de mon lit. Les gens, ils vont croire que je suis tout le temps dans mon lit. Mais en fait, à chaque fois que tu me filmes, je suis dans mon lit, forcément. Tu... Ouais. C'est toi aussi qui aide pas, tu vois. Ouais, on va dire ça, ouais. Bon bref, du coup le projet là, on va surfer à Uatu je pense, on va y retourner. Enfin, je vais y retourner parce que bah, lui... C'est dans la sieste. Il va aller faire sa sieste. Mais bon, il est pas tout le temps dans son lit, faut pas croire. Hein. Bah oui, putain. Bref, et du coup bah ça va être cool. Et après on va faire 2-3 petites courses. Parce que demain c'est le départ. Le départ d'où? On rentre en France. Mais non. Non, c'est pas ça. Non, c'est la mission, les gars. Et on oui. S'en va à Sumbawa. Donc pour ceux qui connaissent, il y a un peu de trajet. Oui, en et scooter, là, ça va être marrant. En scooter, ouais. Il y a du ferry, il y a du scooter. Mais il y a une bonne vague à la clé, donc... Ouais. On espère pouvoir scorer un peu. On devrait avoir des bonnes vagues là-bas. Un peu mieux qu'ici. Donc on va prier, puis bon, on verra. Hein. On va pas trop s'avancer non plus. Sur ce, moi je vous laisse et puis on se retrouve à Uluwatu quoi. Vamos.
petit repas avant le grand départ, la mission. Tu cutteras ce qui est chiant. Vas-y. Donc demain, on va partir à quelle heure? 5h. On part à 5h. On a 1h45 de scooter pour aller jusque à l'embarcation du ferry. Déjà, un plaisir. 70 km. Là, c'est cool. Il fait à moitié nuit. Il n'y a personne sur les routes. Sympa. Ensuite... Ça, c'est les prévisions, bien sûr. Bien sûr. Ensuite, 4 heures de ferry. Bon, cool. Okay, jusqu'à Lombok. Ouais. Ensuite, on traverse Lombok de ouest en est pour aller à un autre ferry. Donc là, on en a pour 2h30. En fonction de... C'est Google Maps qui dit ça en fonction de la circulation, donc je suis pas sûr que ça sera ouais. Moins. 90 bornes. Donc là, ça va faire mal au cul. On a été interrompu. Reprenons. Donc, ensuite, après la traversée de Lombok, il nous reste 1 heure de ferry. Donc déjà, traversée un peu chiante. Un peu chiante, mal au cul et tout, relou. On traverse Lombok, on arrive au ferry, 1 heure de ferry pour aller jusqu'à Sumbawa. Ok. Voilà. Et de l'arrivée en ferry, il nous reste encore 1h50 de scooter, 70 km pour aller jusqu'à. Voilà. Et après. Ça, donc on reste quelques jours à. Tranquille. Et après, il nous reste la dernière partie. La plus grosse mission. La plus grosse partie. 380 km en scooter, 8 heures de scooter pour aller jusqu'à Laiki. Et là, je pense que ça va être un peu compliqué. Sachant que dans cette optique-là, on n'a pas précisé la météo. Oui. Parce il que peut ça faire très fun. Très beau, comme il peut tomber des trombes d'eau quoi. Donc là-dessus, on va se laisser sur cette petite musique. Et on verra ce qui se passe demain. Et oui, on verra ce qui se passe. Hein. Oh putain. Bon app, hein. Un repas local. Oh. Oui, grave local. Ouais. C'est quoi le programme là? Je peux tout expliquer, frérot. Bah écoute, le programme, c'est qu'on prend les valises là. Pourquoi? On s'en va? S'en va! Oh! Putain! Si je vais laisser ça exprès.